Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est la toute première vidéo de l'année, donc déjà je vous dis à l'avenir parce que je tourne cette vidéo, on est le 31 décembre, enfin à l'heure où je tourne cette vidéo. Et alors vous verrez cette vidéo, bah, j'espère que vous aurez passé un bon réveillon, de bonnes fêtes, etc. Voilà, puisque les fêtes seront quasiment terminées. Donc voilà, je vous fais cette vidéo pour commencer l'année un petit peu spéciale, où je prends la parole, hein, vous savez, voilà, que j'aime bien prendre la parole et ouvrir ma gueule. Voilà, quand j'ai envie. Et pour cette toute première vidéo de l'année, j'avais envie de faire une vidéo un peu sérieuse pour vous parler. Voilà, en fait, je sors deux vidéos sérieuses avant de repartir en déplacement de droite à gauche et avant de faire ce que j'ai à faire. J'avais envie de faire une vidéo un peu sérieuse sur mon point de vue par rapport à YouTube. Voilà, ça fait un moment que j'ai envie de faire cette vidéo et que j'ai envie de prendre la parole parce que alors vous allez voir cette vidéo à peu près, ça fera 4 ans que je fais des vidéos sur YouTube, 4 ans divisé en deux chaînes puisque j'ai fait une première chaîne pendant 2 ans et après j'ai fait cette chaîne-ci, cette chaîne-là, plutôt, on va dire. Oh, Pedro, parle bien français, s'il te plaît. Et du coup, bah, j'avais envie de vous faire cette vidéo sur le point de vue de... sur la plateforme en général, parce que YouTube est une plateforme qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Il y a eu énormément de critiques, de points de vue, plein de choses. Donc voilà, c'est pas une vidéo que je fais qui va parler de l'article 13 ou quoi que ce soit. C'est pas le sujet, enfin, ou des scandales ou quoi. C'est pas une vidéo drama, c'est pas... absolument pas, c'est pas une mise au point. Alors, en 4 ans de vidéos sur YouTube, j'ai découvert par rapport à cette plateforme des points très positifs et des points même ultra négatifs. Et par rapport aux points que je vais vous donner, je vais commencer par les négatifs, après je finirai par les positifs. Et je finirai ensuite du coup par rapport à tout ce que je vais vous donner, par quelques conseils. Alors pas forcément des conseils pour se lancer, mais surtout des conseils sur comment on doit faire attention par rapport à YouTube, etc. Enfin, les conseils que je pourrais donner après mon expérience. Parce que oui, pour moi, c'est encore possible de se lancer sur YouTube en 2018. Il n'y a pas... tout est possible, hein. Il n'y a pas de... faut pas vous empêcher de... avoir peur ou vous empêcher d'aller sur YouTube parce qu'il y a des problèmes. Seulement, voilà, il faut vivre en fonction aussi des problèmes qu'il y a. Sans se donner trop de restrictions, sans se censurer. Et voilà. Bref, premier point de vue, alors sur les points de vue négatifs que je vais aborder, je pense que c'est la qualité, le contenu, etc. en général sur YouTube. Alors, j'ai un avis très très mitigé, moi sur YouTube, j'ai un avis assez peace and love, entre guillemets, dans le sens où je n'ai jamais été anti ou pro quelque chose hein, sur YouTube en règle générale, c'est-à-dire que pour moi, sur YouTube, tout le monde peut faire, tout le monde fait en majorité. En majorité, je dis bien, je fais pas une généralité. Je hais les gosses. Voilà. Bref, tout le monde peut faire, en fait, pour moi, du bon... Enfin, tout le monde peut faire en majoritairement du... Enfin, tout le monde fait du bon contenu en majorité. Chacun fait le contenu qui lui correspond et j'ai toujours été anti-censure, donc je comprends pas pourquoi aujourd'hui... Enfin, pas aujourd'hui, mais il y a un temps sur YouTube, on en est venu à avoir une mode de critiquer les certains YouTubeurs, certains types de contenu. Pour parce que c'est le cancer de YouTube, c'est enfin machin, on dit des trucs, enfin bref, c'est un peu ça a été un peu la guerre et le bordel, et c'est un peu pour ça que d'ailleurs j'ai changé de chaîne, j'ai voulu un peu faire du renouveau, prendre du recul avec tout ça. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervé pendant une majorité du temps, et aujourd'hui j'ai pris du recul et j'ai grandi et j'ai compris aussi pourquoi les gens, parce qu'avant je comprenais pas, pourquoi les gens ne sont pas
son mal avec certains, parfois des contenus que moi-même je faisais ou des contenus en général que je faisais qui étaient assez pris, enfin assez faits sur YouTube. Et j'ai aussi compris, je garde aussi mon point de vue sur le fait que c'est pas normal qu'on censure les gens et qu'on empêche de faire du contenu. En 2016-2017, il y a eu des grandes, la mode de faire des vidéos, un petit peu, vous savez, les vidéos tag, les vidéos story time, les vidéos What's on my phone, etc. Enfin, bref, vous connaissez, je pense, tout le délire. Bon, aujourd'hui, c'est des vidéos qui ont un peu pris, qui ont un peu changé d'envergure. On va dire qu'elles sont plus trop présentes sur YouTube. Les choses changent. Voilà, pour le premier ressenti que j'ai eu par rapport à YouTube, le ressenti négatif, c'est quand tout ce type de vidéo-là a été vraiment, enfin. En fait, une partie des youtubeurs et une partie de YouTube a craché sur ce type de contenu pendant un certain temps. Et personnellement, moi je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage qu'on aille faire la guerre à une catégorie de youtubeurs. Genre, c'est comme pour la musique en fait, il y avait les youtubeurs commerciaux et les talents cachés. Bah, la musique c'est pareil. Sauf que pour moi, dans la musique comme sur YouTube, tout le monde peut faire des bonnes choses, et pour moi, il faut de tout pour faire un monde. À partir du moment où le contenu n'avait rentré en règle avec rentré en règle avec avec les règles de YouTube, je vois pas en quoi ce type de contenu pouvait causer problème. Après, je suis d'accord que le contenu était trop fait, et je pense que l'idéal était que chacun apporte son originalité, ce que j'ai d'ailleurs essayé de faire, et ce que tout le monde n'a pas forcément essayé de faire. Sans vouloir me vanter, franchement, je le dis très honnêtement, je trouve que c'est quelque chose qui a été très très peu fait, et moi j'ai tout fait pour le faire, et bon, malheureusement, je ne suis pas quelqu'un de connu, et ça n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas grave, ça n'a jamais été vu, mais c'est pas grave, voilà, je n'ai jamais fait YouTube pour être connu, je n'ai jamais fait YouTube pour faire de l'argent, quoi que ce soit, donc de toute façon, peu importe. Moi, je suis bien dans ma place sur YouTube, donc même si je suis pas très connu, que je suis suivi par une centaine d'abonnés, je m'en fous, c'est un abonné qui regarde, c'est le but est fait, quoi, enfin pour moi. Donc voilà, c'est vraiment la partie que je trouvais un peu dommage. Après avoir pris du recul, j'ai compris que effectivement, ça a causé un problème en termes de qualité sur YouTube et que ça mettait moins en valeur des youtubeurs, des talents cachés sur YouTube, des gens qui faisaient des très très bons contenus et qui gagnaient même beaucoup moins d'argent, etc. Et je vois pas pourquoi c'est sur les youtubeurs très connus sur lesquels il faut cracher, alors qu'en fait c'est la plateforme en général qui ne met pas en avant forcément les bons contenus. YouTube met en avant les contenus tendance automatiquement, etc. Et c'est pas quelque chose de bon, et c'est ce que je dénonce sur YouTube aujourd'hui, c'est que même encore aujourd'hui c'est le cas, bon ça, les choses sont en train de changer, mais il faut que tout type de contenu soit mis en avant, que des contenus soient mis par catégorie, etc. Et c'est pas encore très reconnu par YouTube. Donc on espère que les choses vont changer, mais je crois que YouTube n'écoute pas vraiment les créateurs, parce que de plus en plus de créateurs se sont plaints à ce sujet, se sont plaints de pas mal de choses, de plein plein de points négatifs, et YouTube est un peu resté aveugle et un peu fermé les yeux, et c'est un peu dommage. Voilà, je trouve ça un peu dommage. On vient sur YouTube pour produire ce qu'on a envie, mais au final c'est la merde qui est mise en avant, et enfin ce qui crée la division et la guerre sur cette plateforme, et ce que je trouve un petit peu décevant au fil des années. Mais bon, voilà, c'est comme ça, et peu importe. Peu importe ce qu'on fera, de toute façon, ça sera toujours, c'est une plateforme internet, c'est une exposition publique. YouTube en soi est une plateforme très libre comparée à la télévision. Quoique je ne crache pas sur la télé, hein, la télé a ses points positifs et ses points négatifs. YouTube, c'est la même chose. Mais la liberté fait que beaucoup de gens vont faire de la confusion avec le mot liberté, et avec le mot liberté vont penser qu'on peut insulter tout et n'importe qui. Ça va donner vraiment accès libre à tout le monde sur les points de vue, sur les aux haters, etc. Pas comme à la télé. Parce qu'à la télé, il y a pas hein, des commentaires en dessous de chaque programme télé. Bon, après, il y a les live tweets, mais les tweets sont triés, etc. Donc bon, il n'y a pas vraiment ça, tandis que sur YouTube c'est le cas. Quand on fait un live ou quand on fait une vidéo et on a des commentaires, et ben on a des gens qui commentent par derrière, et ils peuvent dire ce qu'ils veulent, même si on peut activer on peut activer la restriction des commentaires. Voilà, c'est le problème d'une plateforme aussi libre que YouTube, c'est que tout le monde peut dire ce qu'il veut, et c'est le deuxième point que je voulais aborder. YouTube est aujourd'hui assez, je trouve qu'il est
limite en danger en termes de liberté d'expression. Énormément de youtubeurs, pour moi, pour ma part, encore aujourd'hui, n'abordent pas ce censure et n'abordent pas certains sujets qui devraient être abordés alors qu'ils sont suivis par, pour la plupart des youtubeurs connus qui font du contenu comme les youtubeuses beauté ou même les contenus humour, etc. Même si c'est pas leur job de rendre des sujets, de faire de la politique ou de rendre des sujets moins tabous, c'est vrai que c'est encore assez peu abordé certains sujets, même si ça s'améliore. Grâce à YouTube, on a pu faire moins de tabous sur la contraception, par exemple, c'est un exemple, hein, sur le sexe avec, alors. Je sais qu'elle fait énorme polémique en ce moment, donc s'il vous plaît, me crachez pas dessus, mais les vidéos sur le vagin et les règles de Emma Cake Up, par exemple. Voilà, ça a permis vraiment une libéralisation de certains sujets qui étaient encore aujourd'hui très tabous et dont on n'abordait pas à la télé, et dont on n'aborde toujours pas à la télé. Hein. Pour ma part, je trouve que c'est très pas du tout abordé à la télé ce genre de sujet. La libéralisation du tabou sur le harcèlement aussi scolaire, ou le harcèlement fait aux femmes, etc. Et le problème, c'est que les commentaires qui va par derrière fait que on a très vite envie de censurer. Les gens font des cherchent des polémiques et cherchent à dénigrer les gens pour tout et pour rien. Et bah malheureusement, ça met en danger aussi la liberté d'expression et ça empêche certaines personnes de s'exprimer comme elles le souhaitent. Pour ma part personnelle, j'ai fait des vidéos où j'ai donné des points de vue un peu politiques, voilà, tout en rigolant parfois, et ces vidéos-là sont assez mal interprétées. Les gens sont venus faire des débats sous les commentaires, me sont venus me faire des longs romans pour dire machin, gnagnagna, tu penses que si, tu penses que ça. Enfin bref. Et ils sont venus dans les commentaires comme si je devais supprimer ma vidéo. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, et ça, je trouve ça un peu dommage que les commentaires, en fait, sont parfois tellement violents et sont parfois tellement faits d'une manière que du coup, la vidéo mène à la censure et beaucoup de gens se disent il faut supprimer cette vidéo parce que les gens dans les commentaires sont pas contents, machin. Alors que non. Certes, quand un youtubeur fait une vidéo qui est vraiment beaucoup trop blessante, il faut mieux la supprimer pour éviter le bordel. Mais quand un youtubeur ne. Mais en majorité, quand la vidéo n'est pas forcément blessante en soi et quand le youtubeur sait ce qu'il fait, je vois pas en quoi on devrait supprimer les vidéos à cause de commentaires ou de ce qu'on peut dire, surtout sur Twitter, quoi, qui est un outil, Twitter qui est un outil de merde et qui entraîne encore plus de pouvoir YouTube à côté et tout le monde, tout le reste autour. Enfin, YouTube, Twitter, bon, c'est un autre sujet. Bref. Voilà, pour ça, les commentaires, en fait, sur YouTube, parfois mènent. Et ce qu'on peut dire autour d'une vidéo, soit on va pas censurer les gens qui s'expriment par rapport aux vidéos, mais ça met parfois en danger la liberté d'expression sur certains youtubeurs. Et on va dire que les youtubeurs se font un peu victimiser ou influencer par leur public, ce qui fait que du coup ils suppriment. Et voilà, ce que je trouve ça un peu dommage, c'est que on pensait que ça allait être vraiment une plateforme très très libre, qu'on allait vraiment pouvoir faire ce qu'on veut, mais derrière on se rend pas compte que c'est aussi un autre sujet dont je vais aborder dans cette vidéo. Il y a beaucoup de choses derrière qui vous empêchent de faire de parler librement, et voilà, malgré ça reste un média libre et indépendant. Et bon, en soi, et bah écoutez, on va pas s'en plaindre parce que bon, on n'est pas à la télé payé sous contrat à dire ce que la chaîne veut qu'on dise et pas nous ce qu'on a envie de dire. Donc voilà, même si c'est en train de changer, et j'espère que à l'avenir ça va de plus en plus changer en termes de que ce soit de l'information ou du divertissement ou quoi d'autre, de quoi qu'on parle. Voilà, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Le troisième sujet aussi que je voulais aborder en termes de négativité, c'est justement le fait qu'il y ait un danger sur la liberté d'expression. Il y a une chose dont on ne s'en rend pas compte sur YouTube. À la télé, comme vous le savez, les chaînes télé, les émissions sont gérées donc par des très très grands groupes qui tiennent à leur image et qui ne peuvent pas donc se permettre d'avoir des personnes, de payer des personnes pour qu'elles disent ce qu'elles veulent. Voilà, et on a vu que c'était de plus en plus problématique. Par exemple, on se rappelle cette année de l'animateur Tex sur France 2 qui a été viré de France Télévisions, renvoyé de France Télévisions, carrément licencié, hein, normal, parce qu'il a fait une blague à caractère sexiste. Alors certes, la blague pouvait être blessante, et je ne sais pas ce qu'il a fait comme blague, hein, je vais pas défendre ce qu'il a dit, mais on voit bien que, oh, dis donc, oh là là, France Télévisions tient à son image. Bon, bah donc, Delphine Ernotte préfère renvoyer directement l'animateur, quoi, et lui faire perdre de l'argent, lui faire perdre son travail.
C'est un petit peu abusé, quoi. Là, on voit bien, à travers ça, on a la preuve réelle que qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y a jamais de liberté à la télé, que les grands groupes veulent faire dire à leurs employés ce qu'ils veulent qu'ils disent, enfin, ce que les grands groupes veulent qu'ils disent, et enfin, bref, vous avez compris ma phrase. Et voilà, je trouve ça c'est un peu problématique et j'espère que ça a changé. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que sur YouTube, c'est un peu en train de devenir la même chose au final. On l'a vu avec PewDiePie qui a perdu son contrat avec Disney ou avec... Ouais, non, c'est le seul exemple que je peux vous donner, mais même si il reste les YouTubeurs en français, par exemple, en soi, et on n'a pas vraiment remarqué ça en France, et ils restent assez libres, les YouTubeurs aujourd'hui, les plus grands que vous regardez, Norman, Cyprien, etc., ainsi que toutes les chaînes où il y a les chaînes de collab, les chaînes où il y a plusieurs YouTubeurs, c'est des chaînes qui sont gérées par des groupes aujourd'hui audiovisuels, des groupes récents, des énormes, des géants network, ça peut être aussi Disney, ça peut être des chaînes télé comme Canal+, M6 ou TF1. Et on voit que c'est problématique au fond parce que aujourd'hui, dès qu'un youtubeur va faire une gaffe dans une vidéo, et ben il peut perdre son contrat avec le network qui est soit donc un grand groupe, un network, mais un gros network comme Webmedia par exemple, ou une chaîne télé. Et c'est un peu problématique. Et ça, c'est la chose dont je suis assez content aujourd'hui, c'est que comme je ne suis pas connu sur YouTube, je n'appartiens pas à un network. Et aujourd'hui, je sais qu'à l'avenir, si imaginons que je venais à avoir une grande audience et que je devais activer la monétisation, enfin gérer, professionnaliser mon contenu et professionnaliser ma chaîne YouTube, je n'accepterais pas des contrats avec des networks, des grands groupes, quoi, venant de grands groupes audiovisuels. Je pense même que si j'y arriverais, je me gérerais tout seul ou j'essaierais de faire en sorte que je puisse toujours parler librement et pas faire ce qu'on me dit de faire et voilà. Après, ça reste toujours plus libre qu'à la télé, faut pas vous dire que c'est pas libre du tout, mais voilà, je tenais à faire parler de cette part-là parce que aujourd'hui on s'en rend pas compte, notamment les gens très jeunes s'en rendent pas compte, mais il n'y a pas autant de liberté qu'à la télé, donc même si on a plus, on est tous là à cracher sur la télé en disant la télé c'est de la merde, venez sur YouTube, mais YouTube c'est pas forcément trois fois mieux aussi, hein. Donc voilà, donc faites avec le négatif qu'il y a autour de vous, ou battez-vous pour que ce contrôle de YouTube entre guillemets et des YouTubeurs s'en aille, parce que ça devient n'importe quoi. Et l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, donc PewDiePie qui a fait, bon, certes une blague très antisémite, enfin qui n'a rien à faire sur une chaîne YouTube. Il a carrément perdu un contrat avec Disney par exemple, et c'est grave que ça montre que si tu dis de la merde, bah tu vas perdre ton boulot, quoi, tu vas perdre ton job, tu vas te retrouver dans la merde en fait, alors que t'es sur YouTube, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. L'autre négativité aussi que je voulais parler, ce sont les rencontres qu'on peut faire sur YouTube. Et là, c'est vraiment le point le plus important à aborder. Et donc, soyez bien attentifs pour la suite. En 4 ans de vidéo, j'ai fait des rencontres formidables. Voilà. Aujourd'hui, il me reste 2-3 vrais amis en rapport avec YouTube. Et je dis bien en rapport avec YouTube même. Voilà. 2-3 vrais amis. Et le conseil que je peux vous donner, c'est faites très très attention. Alors après, bon, la plupart des amis que j'avais via YouTube, donc via les vidéos, je les ai perdus de vue, hein, c'est pas forcément des fausses personnes, mais je suis tombé sur des personnes vraiment, et je vais pas citer leur nom, mais je suis tombé vraiment sur des personnes qui sont pas dangereuses, mais des mauvaises personnes, des mauvaises rencontres. Et ça, c'est vraiment une chose sur laquelle vous devez vraiment faire attention, et c'est la chose dont je voulais aborder par la suite. Dans cette vidéo. YouTube, c'est une plateforme formidable qui permet de vous faire des rencontres comme les réseaux sociaux, et qu'importe votre nombre d'abonnés, vous pouvez rencontrer plein de youtubeurs de votre niveau, vous entraider, etc. Mais parfois, vous pouvez rencontrer des très très mauvaises personnes qui peuvent parler dans votre dos, qui peuvent dire des conneries. C'est pas un monde tout rose, c'est pas le monde des bisounours, et qu'importe les domaines, que ce soit chez les youtubeurs très connus, comme on l'a vu dans pas mal d'interviews de youtubeurs, comme les youtubeurs pas connus comme moi, aujourd'hui, toute rencontre peut être dangereuse en fait. Donc, soyez vraiment très très vigilant si vous voulez vous lancer sur YouTube, parce que mon point de vue aujourd'hui est que les rencontres sur YouTube peuvent être assez dangereuses, voire très dangereuses et néfastes. Donc voilà, sur ce point-là, il faut vraiment faire attention.
Après, voilà, je crache pas sur toutes les personnes que j'ai rencontrées. J'ai fait des rencontres formidables. Aujourd'hui, c'est des gens que je ne côtoie plus parce que je les ai perdus de vue, à l'exception de Louise et Zoé, qui ont été mes, je pense, mes plus belles rencontres YouTube, surtout Louise qui a été vraiment bon, Zoé aussi, enfin, les deux ont été vraiment des gens formidables avec qui j'ai pu vlogger et faire des vidéos. Et j'en suis très très content. Je suis également passé sur la chaîne de Louise, de son côté, enfin bref. Bon, pas encore Zoé, j'espère que ça se fera. Zoé, si tu vas se faire là. Mais voilà, vous voyez, ça prouve quand même aussi que c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Mais ça reste, voilà, ça reste vraiment génial, vraiment un bon moyen de faire des rencontres et de vous aider. Mais YouTube n'est pas tout rose et même quand on a subi du harcèlement, comme moi je l'ai subi, ce qui a fait que j'ai commencé ma chaîne YouTube, je conseillerais pas à toute personne, notamment jeune, qui a été harcelée de prendre exemple sur l'expérience des autres parce que c'est un peu ce que j'ai fait. Moi j'ai lancé ma chaîne YouTube par expérience parce que Angel Phoenix avait été harcelée et que YouTube l'a aidé. Sauf que ça a été il y a 4 ans quand YouTube n'était pas encore connu. Voilà, moi j'ai commencé quand YouTube avait pris une énorme ampleur et aujourd'hui ça m'a apporté énormément de positifs, ça m'a apporté énormément de choses, énormément d'expériences. Ça m'a apporté une expérience professionnelle de montage, de caméraman entre guillemets. Bon, je suis pas un pro mais j'ai des notions en termes d'audiovisuel et je trouve ça génial pour faire des études, ça va m'aider énormément. Mais rien n'a été tout rose et quand on a subi du harcèlement ou un passé difficile, c'est pas forcément, il faut vraiment faire attention parce que parfois ça peut faire qu'empirer les choses. Et voilà, je tiens vraiment à le préciser, en tout cas, faites attention à ça. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le négatif de YouTube, je pense. Alors YouTube, ça a été certes pas mal de négativité, comme j'ai pu en connaître ou que j'ai pu en voir, pas mal de drama exact, et aussi, voilà, dès qu'il y avait un drama sur un YouTuber parce que il avait plein de haters, les gens cherchaient tout pour le dénigrer, bon, ce qui fait malheureusement partie des réseaux sociaux, même si c'est triste à voir. Mais YouTube, c'est un aspect aussi très très positif. Grâce à YouTube, aujourd'hui, j'ai pu voyager de droite à gauche dans pas mal de nouvelles destinations. J'ai pris goût au voyage, goût au bon plan, et ça a été vraiment la chose sur laquelle je me suis cherché et je me suis trouvé sur YouTube. Parce que j'arrivais à un point quand j'ai commencé cette chaîne où je ne savais plus ce que je voulais faire. Et grâce aux rencontres que j'ai pu faire, je me suis dit, le voyage, même si c'est en France, même si c'est pas très loin de chez moi, c'est quelque chose qui me plaît, qui me correspond, c'est un bon contenu et j'ai bien fait de commencer ça et de me chercher parce que je me suis trouvé ça et c'est le contenu principal que je fais sur ma chaîne. Et ça, c'est vraiment un truc de dingue. J'aurais jamais fait toutes ces rencontres et tous ces déplacements sans YouTube, puisque la majorité des déplacements que j'ai faits ont été pour aller voir des amis de base qui étaient de YouTube. Après, ça a été après, ça a été par goût et aussi pour des amis que je connais par d'autres moyens via Internet. Mais ça a été vraiment une très très belle expérience. Et aujourd'hui, grâce à tout ça, au fait que vous avez suivi, même s'il y a 2-3 personnes qui ont suivi les vidéos, j'en ai rien à foutre. Genre, ça a été une aide de dingue et un soutien de dingue pour continuer. Je sais que si j'aurais lâché, j'aurais plus pris goût au voyage, j'aurais plus voyagé de la même manière et je pense que ça serait arrêté et que j'aurais à nouveau une vie banale chez moi tous les jours, cours, dodo et dîner, dodo quoi. Mais non, c'est pas le cas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je continue le déplacement et ça m'a permis de soigner la dépression, les problèmes que j'ai pu avoir, parce que dès que j'avais un souci, en fait, même un souci qui a duré 2 ans, comme vous l'avez vu, et que vous allez voir dans une prochaine vidéo, dont je vais en parler, YouTube était là, les amis étaient là, YouTube était là, et ça a été un soutien de dingue, et voilà, je tenais en tout cas à vous remercier énormément de suivre ça, même si vous êtes très peu, je m'en fous. Clairement, c'est juste dingue de dire qu'une plateforme et des vidéos en fait peuvent vraiment aider psychologiquement. Voilà, j'ai découvert des merveilleux endroits. Avoir filmé et marqué tous ces souvenirs grâce à cette plateforme, ça m'a vraiment aidé. Et aujourd'hui, je me dis, mais putain, parce qu'avant, quand je partais, je m'en souvenais plus, j'avais plus trop de souvenirs. Je me disais, bon, bah voilà, je suis parti, mais je m'en rappelle pas. Aujourd'hui, dès que je suis pas bien, je me dis, mais putain, quand même, genre, je vais consulter ma chaîne, je regarde les timelapses que j'ai fait, je me dis, mais
J'étais dans des endroits de dingue et tous ces endroits, je les aurais pas fait sans YouTube. Grâce au fait d'être seul, j'ai pu filmer ces timelapses parce que, ou même parfois avec des amis, parce que bon, bah, quand on est en vacances en famille, avec des parents, etc., on peut pas forcément faire ça. C'était le cas au début de la chaîne, il y en avait quasiment pas parce que je ne pouvais pas faire ce genre de plan, ce genre de contenu. Aujourd'hui, je peux et c'est en partie, vraiment en grande partie grâce à YouTube et à tout ce que j'ai découvert sur Internet. Et vraiment merci, enfin mille fois merci pour de suivre en fait tout ce que je fais parce que même si vous n'êtes pas beaucoup, encore une fois, j'arrête pas de me répéter, ça m'énerve, mais c'est vraiment, c'est dingue. Ça a été vraiment une aide de dingue et voilà putain, ça a été ouf. Et ça va continuer en 2019, cette année, ça va continuer. Il y a des déplacements qui sont prévus bientôt. Et il y a un très très gros projet de voyage à l'autre bout du monde qui est prévu bien bientôt. D'ailleurs, restez actifs, vous allez être très prochainement au courant de tout ça. Et voilà, merci en tout cas du fond du cœur pour tout. Et voilà. Tout ça pour dire que YouTube, comme à la télé, a des aspects positifs, négatifs. Et prenez du recul avec le négatif, ne vous empêchez pas de parler et lancez-vous. Lancez-vous sans cesser de croire à ce que vous voulez sur YouTube et sans cesser de croire en vos rêves en général. Parce que si votre rêve ne se réalisera pas sur YouTube, si vous n'allez pas avoir une grande audience ou votre contenu va pas se développer, par derrière, vous allez toujours avoir des expériences, des ressentis, des rencontres qui vont vous donner des leçons de vie plus facilement que par vous-même. Lâcher dans la vie, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, on apprend plus en utilisant une plateforme comme YouTube, enfin, avec une passion de telle que, en général, dans la vie de tous les jours, quoi. Et vraiment, c'est un bon plus, quoi. C'est un vrai médoc et ça aide de fou. Et voilà, lancez-vous. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment de vous lancer parce que, oui, on peut se lancer sur YouTube aujourd'hui. Faut juste faire attention à tout ce qu'il y a autour et prendre du recul avec ça. Et voilà, dites-vous que pour l'instant, vous n'êtes pas connu. Donc il n'y a pas de contrat derrière, il n'y a pas de censure derrière. Il y aura peut-être 2-3 cons qui viendront dans les commentaires. Vous les supprimez et vous continuez de parler. Et vous dites ce que vous avez envie. Et tant que ça respecte les règles de YouTube, il n'y a aucun problème. Et voilà, faites le contenu que vous voulez si ça vous amuse. Faites un What's on my phone si vous avez envie. Voilà, c'est peut-être ultra cancéreux entre guillemets comme contenu. Mais on s'en fiche. Genre, ça vous plaît, tant mieux. Faites vraiment ce qui vous plaît et ne vous censurez pas parce que la censure, ça fait mal, croyez-moi. Et même moi, en tant que personne qui ne soit pas connue du tout sur YouTube, parfois j'ai dû supprimer pas mal de vidéos parce que par derrière, on venait me cracher dessus ou alors on se sentait blessé par rapport à ce que je pouvais dire. Mais malgré ça, beaucoup de vidéos, comme par exemple la vidéo que j'ai faite cette année sur les bobos parisiens, je sais plus si je l'ai faite cette année ou l'année dernière. Je sais plus. Bon bref, par exemple, cette vidéo-là, qui était une vidéo 100% humoristique, a été mal interprétée dans les commentaires. Je l'ai jamais supprimée pour autant parce que j'estime que moi j'ai envie de faire rire sur ce sujet. J'ai fait passer mon message. Les gens qui comprennent pas, bah qu'ils aillent se faire foutre, quoi, clairement. Voilà. La fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour les personnes qui ne seront pas d'accord, sachez une chose, comme je l'ai fait dans les précédentes vidéos, je ne supprimerai pas cette vidéo parce que des gens se sentent blessés par les propos que je peux dire, sachant que j'estime ne tenir aucun propos blessant dans cette vidéo par rapport à YouTube, donc voilà. Mais surtout pour les gens qui ne sont pas d'accord, donc voilà, je sais qu'il y en aura plein qui seront sûrement pas d'accord, qui vont me faire des longs romans. Si vous entendez du bruit, c'est mes voisines. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais qu'importe. J'en ai un peu rien à foutre dans le sens où c'est pas que je veux blesser des gens ou quoi, de toute façon il n'y a rien de blessant, mais je veux dire ce que j'ai à dire sur ce point de vue et voilà, sachez-le. D'autres choses que je voulais vous dire aussi qui n'ont rien à voir pour les prochaines vidéos, je voulais vous faire du coup, j'en profite pour faire quelques annonces. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, bientôt, là, ce week-end, je pense que vous aurez ces deux vidéos avant, normalement c'est bon. Je pars avec Amélie pour aller, on va en boîte de nuit dans un bled un peu paumé, voilà, à l'aventure. Donc je vais partir, je vais vous emmener avec moi, ce sera un tout petit vlog. Et ensuite, après, je vais partir à Montpellier et à Rouen pour aller revoir Synapson aussi, et il y aura plein d'autres projets. Donc voilà, pour être tout au courant de tous mes prochains déplacements, je vous le donne rendez-vous sur mon Instagram, @pedro-maqs.
Et par rapport aussi à la qualité sur YouTube et l'amélioration de mon contenu, parce que j'essaie de m'améliorer un peu, je vais investir dans un réflexe là très prochainement, dans les prochaines semaines, pour vous faire une meilleure qualité en termes des timelapses, en termes de vlog, en termes de photos aussi pour Instagram. Donc voilà, le reste, une majorité de mon contenu aussi se fait également sur Insta, donc je vous invite vraiment vraiment à me suivre sur Insta, c'est assez important pour moi. Et voilà, vous êtes assez nombreux d'ailleurs, on est 400 sur Insta, donc c'est vraiment cool, on est 400, 500 par là, je sais pas exactement, mais c'est vraiment vraiment cool. Donc voilà, tout le monde plus ou moins est actif et ça c'est cool. Et voilà, il y a du contenu sur Insta TV aussi que je vais essayer de faire, qui va arriver voilà durant les prochains déplacements. Voilà. Et il y a aussi donc ce très gros projet cette année 2019, c'est l'année du gros projet. Avant de réfléchir sur l'avenir de ma chaîne, je pense que après ce gros projet, j'aurai fait le tour et peut-être ou peut-être pas que ma chaîne va fermer ses portes. Je ne sais pas encore. Je sais pas encore ce qu'il en sera. J'avais envie de tenir jusqu'aux 5 ans et je pense faire encore une année complète pour tenir jusqu'aux 5 ans. Dès que les 5 ans seront passés, je me remémorerai tous les moments que j'ai fait sur YouTube et je pense que voilà, on me dira je m'envolerai peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas encore par rapport à mes envies. Pour l'instant, j'ai envie de continuer. En tout cas, les 6 prochains mois, c'est sûr, je continue. Et voilà, vous allez avoir le contenu notamment de ce grand projet. Donc pour l'annonce de ce grand projet, pour venir dessus, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, là je suis en train d'en parler, en fait je vous déroule le morceau. Il va y avoir une vidéo annonce très spéciale pour ce projet à la fin du mois, je pense, dès que j'ai mes billets d'avion pour ce projet-là. Et voilà, c'est un projet qui devait se faire avant, qui a été reporté pas mal de fois pour pas mal de contraintes. Mais maintenant c'est fini. Le projet n'est plus reporté, normalement c'est bon, là je tiens le coup et voilà. Sinon c'est tout ce que j'avais à dire. Bref, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.